Bonjour François Fillon. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous répondrez tout à l'heure effectivement aux auditeurs. Il reste 11 semaines de campagne avant le premier tour de la primaire de la droite. Est-ce qu'il faut d'ici là un code de bonne conduite ? La primaire, c'est un processus démocratique. La démocratie, c'est le débat. Ce débat, il doit avoir lieu et personne ne doit en avoir peur. Mais aujourd'hui, si on pose la question, c'est que vous avez mis vous-même le feu aux poudres il y a un peu plus d'une semaine avec votre phrase « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ?» Est-ce que vous en la regrettez, cette phrase ? Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ? Oui, alors, vous, en ce faisant, tout le monde a compris que vous visiez Nicolas Sarkozy. Tout le monde l'a compris. On a fait une erreur Est-ce qu'on peut réfléchir une minute à la nature de ce débat ? Je pose un principe général, je dis que l'exemplarité est nécessaire pour gouverner notre pays et d'autant plus nécessaire qu'il va falloir le redresser, c'est-à-dire demander des efforts aux Français. J'énonce un principe général qui me paraît être le minimum de ce qui est exigible et après chacun naturellement est devant sa conscience et doit agir. Alors, en fonction. Pas tout à fait François Fillon. Principe. Depuis le début de votre campagne, c'est vrai, vous avez mis en avant la dignité, l'exemplarité, oui, vous n'avez jamais varié. D'ailleurs. Vous n'avez jamais varié, qui d'ailleurs dirait le contraire. Mais ce qui nous frappe, c'est ce que vous dites. Vous dites pas seulement il faut être exemplaire, vous dites quand on veut être président de la République, on ne peut pas être mis en examen. Non, enfin, c'est ma conviction personnelle. Je pense que c'est très difficile de gouverner un pays dans un climat comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, comme à gauche et à droite, il y a des affaires dans tous les sens, je dis que il faut revenir à une conception plus rigoureuse de l'exercice du pouvoir. D'accord. Voilà, je l'ai dit. D'accord, mais encore quelques questions. Question dans le débat sens, sur les je primaires. Je ne vais pas en sortir. Dans le débat que nous organiserons, par exemple, avec TF1, RTL, le 13 octobre, ce sera le premier débat de la primaire. Vous direz, oserais-je dire les yeux dans les yeux à Nicolas Sarkozy, quand on veut être président, on ne peut pas être mis en examen ? Mais je l'ai dit, j'ai vous pas... Vous le lui direz ? Mais on verra, enfin, le sujet, mais c'est pas le seul sujet de la primaire, je vous le rappelle. Et ce ne sera pas le seul sujet de notre entretien non plus, je vous voilà, rassure. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un manque de courage à ne pas aller jusqu'au bout de votre affirmation ? C'est extraordinaire. Le manque de courage, c'est ceux qui ne parlent pas du sujet. C'est ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de débat. C'est ceux qui considèrent que ce qui compte, c'est la famille. Et c'est pas le redressement du pays. Mmh. Moi, j'essaye de trouver des solutions au redressement du pays. Je me préoccupe pas d'abord de l'avenir de tel ou tel groupe auquel j'appartiens. Nicolas Sarkozy s'est posé en rassembleur hier à la Baule. Ça lui va bien ? Mais c'est très bien que Nicolas Sarkozy cherche à rassembler. Et je pense que tout le monde cherchera à rassembler, mais c'est pas l'essentiel, au fond. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de dégager des solutions qui permettent de redresser le pays. Rassembler, si c'est rassembler autour de solutions qui continuent à accélérer son déclin, ça n'a évidemment aucun sens. Et donc, le rassemblement, c'est pour moi, c'est une deuxième étape. C'est la même chose avec Alain Juppé, ce que je lui dis d'ailleurs, les yeux dans les yeux, que son obsession du rassemblement, que je comprends par ailleurs, le conduit à proposer des solutions qui me semblent pas être à la hauteur de la gravité de la situation. Voilà. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui, surtout pendant la primaire, poser les vraies solutions pour le pays. Et puis la phase du rassemblement, elle viendra après. Dernière question sur cette petite phrase, décidément, qui restera. Hein, elle était peut-être faite pour ça. Quand on a été condamné, est-ce un manquement à l'exemplarité, même si on a purgé sa peine ? Je vois très bien à quoi vous faites allusion. Vous faites allusion à Alain Juppé, que j'ai toujours soutenu au moment de cette condamnation. Chacun sait qu'Alain Juppé a payé pour d'autres et que c'est un homme droit qui ne méritait pas cette condamnation. Et donc, il n'y a pas de manquement à l'exemplarité dans ce cadre-là. C'est dit. Vous allez déposer vos parrainages tout à l'heure. Combien ? Je vais en déposer 78 parrainages de parlementaires, ce qui montre d'ailleurs le décalage entre les commentaires sur le candidat décroché, etc., et puis la réalité de la situation. 78 parlementaires, et c'est sans doute pas fini. 370 maires et élus locaux, et un peu plus de 6000 militants. Alors c'est vrai que vous êtes paradoxal, vous avez des parlementaires avec vous, très nombreux, 78, quand d'autres candidats
te en particulier en cherche encore. Vous êtes populaire dans l'opinion, vous êtes minoritaire dans les enquêtes d'intention de vote pour la primaire de la droite. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'elle ne valent rien. Les enquêtes, les sondages ? Oui, j'en suis convaincu, je vous l'ai toujours dit, je le répète inlassablement, peut-être un peu solitaire. Il n'y a jamais eu de primaire à droite, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de référence. Il y a énormément de Français aujourd'hui qui ne savent pas encore qu'ils vont voter à la primaire. Tout ça se cristallisera dans les derniers jours de la campagne. Moi, ce que je regarde, c'est les soutiens dont je bénéficie. C'est l'accueil que je reçois quand je me déplace dans le pays. C'est les sondages de popularité que vous évoquez tout à l'heure. Voilà, je veux bien qu'il y ait un décalage gigantesque entre ces sondages et ceux sur les primaires, mais cela m'étonnerait. Alors, avant d'avoir des phrases à la tonton flingueur, comme l'autre jour à Sablé-sur-Sarthe, vous, on a beaucoup parlé de votre programme économique. Je voudrais m'arrêter sur au moins une mesure. Vous avez sans doute entendu le malaise des infirmiers exprimé notamment par la Coordination Nationale après 5 suicides qu'elles attribuent à des conditions de travail dégradées. Vous voulez faire travailler les fonctionnaires 39 heures, payées 35. C'est un très bon exemple. On est d'accord. Non, j'ai jamais dit payer 35. Vous n'avez jamais été très clair d'ailleurs sur. Non, j'ai toujours dit qu'il fallait augmenter le temps de travail de l'ensemble des Français pour être plus compétitif et pour payer la dette qui est la nôtre. Car il y a bien un jour où il faudra payer cette dette et réduire notre déficit. Ça suppose de travailler un peu plus, ça suppose d'être un peu plus compétitif. S'agissant des fonctionnaires, je n'imagine pas un seul instant qu'on puisse demander aux fonctionnaires de travailler 39 heures, payer 35. Mais on va alors, pas... Ça veut dire qu'il y aura une négociation. Et l'exemple que vous citez est très intéressant. Parce que pourquoi elles ont des conditions de travail dégradées aujourd'hui ? C'est pour une large part en raison des 35 heures. Aller dans les hôpitaux, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qu'elles me disent ? Elles me disent qu'on leur demande de faire en 35 heures la même chose que ce qu'on leur demandait de faire autrefois en 39 heures. Donc il y a un accord possible. Il y a un accord possible dans les hôpitaux entre une augmentation du temps de travail et des conditions de travail, des conditions de salaire, des perspectives de carrière améliorées. Vous le dites, on va discuter, on va passer progressivement de 35 à 39 heures. Il va falloir refaire toute l'usine à gaz de l'organisation du travail à l'hôpital. Contrairement à ce que vous laissez entendre, un choc de réforme, de simplification du temps de travail, du code du travail, ça se fera pas en un jour. Vous pouvez pas faire travailler 39 heures des fonctionnaires comme à l'hôpital ou par exemple les forces de l'ordre. C'est pas possible, elles sont au taquet, elles sont épuisées. Non, attendez, vous comprenez. Enfin, elles sont au taquet, elles sont épuisées, elles font des heures supplémentaires qui ne sont pas payées d'ailleurs. Oui. Donc elles font pas 35 ouais. heures. Donc ce raisonnement ne tient pas un seul instant. Et c'est justement à l'hôpital que sans doute la négociation, je dis pas qu'elle est facile, mais est la plus, en tout cas c'est ce que me disent des responsables d'organisations syndicales importantes, que la négociation sur l'augmentation du temps de travail versus des améliorations de conditions de travail est la plus facile à obtenir, voilà, ou la moins difficile à obtenir. Vous êtes sûr de Alors, ça on n'est jamais sûr de rien, mais deux, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si on le fait pas, on va continuer à voir se dégrader la situation. On va avoir de moins en moins d'argent public, Madame Martichoux, et comme il y aura de moins en moins d'argent public, les conditions de travail des infirmières vont continuer de se dégrader. Il y a quand même une question qui se pose, et pas seulement à vous. Vous avez l'expérience de la rue, vous avez gouverné, vous avez mesuré le degré d'acceptabilité très faible, des Français par rapport à la réforme. On l'a vu avec la loi El Khomri. Quand vous dites que vous allez tout réformer en 3 mois, vous faites tout voter à l'été 2020. Tout réformer en 3 mois. L'essentiel, c'est-à-dire je propose les 6 ou 7 réformes structurelles. Exactement. Vous savez que vous ne pourrez pas aller aussi vite que vous le dites. Vous le savez, dans le fond. Je pense exactement le contraire. D'abord, je l'ai démontré. En 2003, il y a eu une réforme des retraites qui a mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Elle a été faite ou elle n'a pas été faite? Et la gauche qui l'a combattue avec la plus extrême énergie, l'a-t-elle remise en cause? Jamais. Voilà. Et je pourrais prendre d'autres exemples comme celle-là. Donc je suis convaincu que il y a une acceptation de la réforme qui est plus grande que ce qu'on raconte en France. Il y a dans la tête des dirigeants et de ceux qui commentent une exagération de la capacité de résistance. Et puis surtout, il y a une nécessité. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est pas difficile. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut redresser le pays ou pas. Est-ce que vous voulez que le chômage s'arrête? Est-ce que vous voulez qu'on ait 4% de chômage comme dans les autres pays européens ou les autres grandes nations occidentales? Voilà, c'est ça la question qui est posée. Et si vous ne voulez pas un jour que on se mette vraiment face à cette difficulté, eh ben on va continuer la lente décadence qui conduira un jour forcément à des
soubresauts sociaux, voire à des révoltes. On pourrait débattre de la phrase de François Lenglet dans son très bon livre qui dit dans les premières lignes « Le besoin de protection devient supérieur au désir de liberté ». Mais on le fera à une autre occasion. Ça, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est pas ce que vous dites du tout, non, et c'est pour ça qu'on pose des questions. Je pense qu'il y a énormément de Français, y compris dans des secteurs protégés, qui réclament de la liberté aujourd'hui. J'ai le souvenir d'un débat avec des responsables de l'économie sociale et solidaire qui me disaient si l'administration pouvait nous fiche un peu la paix. Voilà, et si elle pouvait nous laisser travailler. Alors, Angela Merkel subit un désaveu avec l'élection hier dans son land, le Mecklembourg, où finalement la CDU est troisième derrière les sociaux-démocrates. Et surtout, pour la première fois dans une élection, le parti d'extrême droite, elle paye sa politique de réfugiés. Vous le regrettez, c'est préoccupant d'abord, pour l'Europe Merkel et pour l'Allemagne. Merkel est au pouvoir depuis un peu plus de 10 ans, donc déjà, on peut lui tirer un coup de chapeau pour à la fois cette longévité et ce qu'elle a fait en Allemagne depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'elle a sous-estimé la gravité de la situation au Proche-Orient, qu'elle a sous-estimé la gravité de ce que moi j'appelle la montée du totalitarisme islamique, qu'elle a sous-estimé l'impact de l'arrivée des réfugiés en Allemagne. Et aujourd'hui, la difficulté dans laquelle elle se trouve devrait l'obliger à ouvrir un vrai débat avec les autres pays européens, et notamment avec la France, sur la réponse à apporter à ces questions. Et pas seulement la réponse à apporter aux migrations, mais la réponse à apporter à la montée du totalitarisme islamique, qui est celui qui lance toutes ces personnes sur les... C'est que cette défaite électorale, finalement, la fragilise politiquement et l'incite à être dans un attentisme qui n'est pas bon pour la réforme en Europe. C'est probable que la proximité des élections allemandes et des élections françaises rende très difficile toute initiative européenne pendant les prochains... C'est François Hollande qui va relancer le processus. Ça, je le souhaiterais de toutes mes forces, mais ça m'étonnerait beaucoup. Merci beaucoup, François Fillon, d'avoir été avec nous ce matin.